1-2-1-2, test testicule. En plus, genre, il teste, mais en vrai, il y a un mec à la réception qui gère le son. Il y a rien du tout. Ça, c'est fou. Bah, non. Ouais, moi aussi, c'est un désastre. Ça veut dire maintenant, Mathilde, qu'on va tous ensemble, c'est trop nul. Je sais que tu dis pas du tout. Bonjour, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Ellie, première apparition sur ma chaîne. Salut. Ah non, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Squid Game en train de filmer parce que c'était moi. Oui, c'était lui. Miguel qui a un abonnement assez mensuel et Léo qui est apparu une fois dans cette vidéo. Will Smith, non. Soprano. D'ailleurs, il a perdu, il a toujours pas payé son coup à la cape de l'Arquignan. La Chopin. Ceux qui vont à la Chopin de temps en temps et qui voient Léo. Personne n'est venu me voir. Ouais. Allez lui demander un petit coup. Du coup, dans cette vidéo, on va commencer par un undercover. Ceux qui ne connaissent pas undercover, allez vous faire un. Ultra sec. Ceux qui ne connaissent pas undercover, petite voix off pour vous expliquer le petit jeu. Les règles du Undercover sont simples. Chaque joueur sera un personnage parmi les trois suivants. Un civil, le dernier reçoit un mot secret. Son objectif est de démasquer les Undercover et le Mr. White. Il peut être un Undercover qui reçoit un mot légèrement différent de celui des civils et son objectif est de se faire passer pour l'un d'eux. Mais il ne sait pas qu'il est Undercover. Tu peux être un Mr. White et dans ce cas-là, tu ne recevras aucun mot. Ton but sera alors de faire croire que tu en as un en essayant de deviner le mot des civils. En étant Mr. White, il faut essayer de se fondre dans la masse. Chaque joueur va prendre le téléphone et découvrir son mot ou découvrir qu'il est Mr. White. Une fois que tout le monde a sa carte, chaque joueur va dire un mot-clé qui décrit son mot. Le but du jeu est alors d'identifier les personnes qui ont le même mot que toi et qui sont dans ton équipe, et d'essayer de deviner le mot des autres joueurs. On essaie une partie avec la liste personnelle. Je sais pas si ça filme là-bas. Tu peux il y aura deux civils, un undercover et un Mr. White. Mec, j'ai pas du tout montré les bonnes choses avec mes doigts. Tu peux... Mec, ça me fume de me dire comment ça, quand c'est un boulot. Si j'oublie mot, mec, j'ai pas raison. C'est quoi de hier soir. Décrivez votre mot secret dans l'ordre indiqué en utilisant juste un mot ou une phrase. Ah, Miguel 1. Ouais. T'as un mot, ouais. Nourriture. Féculent. Oh. Oh, mais... Oh. Oh. Oui, oh. Alimentation. Bon, ben, on vote. Mec, ça va trop vite. Normalement, il y a... T'as dit quoi, toi? On doit voter quoi? J'ai dit alimentation. Non, on doit voter pour qui? On doit voter pour la personne, tu penses, c'est pas le bon gars qui... Genre, c'est le Lander. Non, mais vas-y, j'ai fait de la merde, c'est moi et votez moi. Non, je sais qui c'est. 1, 2, 3. C'est Quentin, mec. Quentin, c'est... Mais oui, t'es trop large. Mais je suis trop large, merci. Parce que c'est grave. T'as dit quoi? Alimentation. Mais j'ai dit nourriture et moi, je suis pas large, en fait. Mais j'étais archi white. Ça veut dire quoi, oui? Mais j'avais pas de mots. Mec, en vrai, c'est facile. C'est féculent, j'ai dit oh. Bah, oh, mec, c'est trop dur. Quoi? Tu sais pas, mec, c'est trop dur. Hein. Ouais, non, oui. Je sais pas si j'ai mis un accent. C'est mec qui part trop mal. Non, mais une recette. T'as mis quoi? Oh merde, j'aurais dû enregistrer l'écran. Désolé pour ce petit contretemps, j'enregistre l'écran à partir de maintenant. Mais j'enregistre l'écran, vous voyez, désolé, mauvaise réponse, j'ai perdu. Parce que j'ai mis pâte. Du coup, je vais choisir le mot. Comment ça? Recette. Recette? Ouais. Recette, t'es allé fou. Putain, c'est dur, moi j'ai plus rien. Mec, moi je vais dire. Y'a plus rien, genre on a dit trois mots. Ah, grave. Je vais dire. Alors que le champ lexical. Boisson. Sexuellement, ça? T'es stable? Herbe. Herbe. Alors, herbe, bon, c'est craqué. Mec, mais de la recette. Ok, bah votez. 2, 3. Moi, c'est Léo tous les jours. Mec, t'as picolé. Éliminer Miguel. Un civil! Mec, il reste un fils de pute. Oh, l'undercover a gagné. C'est toi? Du poisson? Je sais pas. Ah oui, tu sais pas. Ah si, c'était toi. Mais oui. T'as eu quoi comme... C'est pas tout saumon, moi. J'ai pas tout pesto. Mais c'est archi pas moi qui ai fait ces mots. Différencié. Alors, on tourne cette vidéo. La chanson de Squeezie n'est pas encore sortie, mais j'espère qu'elle est bien. Moi, au montage, en train de m'enjailler derrière cette musique. Et vous, vous êtes team... Ambiance scandale. Team ambiance scandale ou team... 3 doigts. Votez possible. En commentaire avec le hashtag je préfère cette musique car Miguel est best Leclerc. Oh non! C'est à moi de commencer. Jeu. Alcool. Ah bah attendez! Mais ça va toi, sexuellement? En plus, ça les gosses. Jeu, alcool, soirée. Paul, je sais qui c'est. Oh, let's go! Équipe. 1, 2, 3. Ah ouais. Ah, parce que le mot c'est soirée. Donc on a tous voté pour Miguel. Miguel était. Le White. Du coup, il essaie de deviner les mots qu'on avait. Mais moi, soirée, pourquoi ça n'a pas marché? Bah, si, ça marche, mais t'es trop large. Mec, t'es trop large, toi, en fait. Enfin, je parle sexuellement. Non, ça, par contre, ouais, j'arrive pas à trouver les mots. Mais mec, c'est fou d'être si long, tu tentes, mec. Ouais. Mais je sais pas, moi. Jeu d'alcool en équipe. Ben, le. Picole. Ouais, vas-y, t'inquiète. Oh, bon, de bâtard, ça va, ça. Mec, c'est fou, tente. Les cartes. Oui. Si, c'est ça. Mais j'y crois pas. C'est archi pas ça, mais au moins tu dégages. C'est à moi. Je vais dire gobelet. C'est à moi. Du coup, oui. Balle. Balle. Ah, oh, mais je suis trop chaud du coup là. Balle. Ouais. Moi, je suis. Enfin, après, ça me qualifie. Moi, je suis imbaisable. Oh.
une vidéo, on en fait une. Qui reprend son étage. Et Alex qui égalise. Du coup, on vote 3, ouais, 2, 1. Ah bah moi je vote pas. Yeah. Mec, je suis... Ah, c'est sûr, je gagne. Oul, pépéné. Double, pépéné. Marc. Marc. Marc Lavoine. Oh, mais... Oh, c'est fou comment c'est lui, le Mr. White. Il essaie d'avoir des indices. Une chaussure. Mec, pense à mes BMW. Mec, tu lui as donné la réponse. Oui, vrai, oui. Ah, du coup, c'est lui, l'undercover. Mais pourquoi? Et parce qu'on a la même. Ah ouais, enculé. Mais... Ah ouais, mais mec, je suis trop malin. Du coup, là, c'est déjà fini. Mr. White, Undercover et le Decibi. On en refait une ou pas? Bon, on peut faire un autre truc. Oh putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'avoir un goût de Captain dans la bouche là. Du coup, c'est qu'un personnage, on fait pas d'action. Attends, personnage humain, on a le droit à, bah, à tout. À... Oui. Okay. Mais non, mais tu mets n'importe quoi toi. Bah, c'est pour lui. Mais non, mais faut que ça soit quelqu'un. C'est plutôt un personnage. Il a mis Doberman. Mec, il a mis une race de chien. Mec, ils vont pas le concept, verre d'eau, tu sais. Mais non, mais c'est fou. Vu que c'est entre guillemets un animal avec une conscience, je me suis dit, ça marche. Vas-y, je suis dégoûté de Doberman. Grave, la mine, elle avait fait la taille du dessus. Vas-y, c'est bon, je vais. Tu te mets une mine. Oh, mec, c'est... Oh, mec, j'adore l'odeur. Oh, moi aussi. Ça sent trop bon, ouais. Si vous aussi, vous aimez l'odeur de l'essence, du marqueur, j'espère. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner de manière annuelle. J'espère. Oh, vas-y, maintenant. Ça va pas de ouf. Ça existe, c'est Silobic, je trouve, ou pas? Mec, est-ce que c'est une dinguerie si j'écris ça? C'est marrant. Ah oh ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah, mais faut pas que ça corresponde à la personne. Non. Ah ouais, mais moi je me dis. Oh, mais mec, mais lui il a bu, hein. Ah, tu croyais que ça va être lui? Non, mais genre un truc qui le colle un peu. Mais les couilles. Oh, mec, je tente un truc. Ça marche si je mets ça? Mais non, c'est comme mais non. Ah oui, je suis trop con, mais... C'était mon chat. Ça, ça marche, mais d'accord, c'est bon. Mais oui, c'est trop bien. C'est la meilleure idée. Putain, j'ai trop envie de prendre du plaisir, ça fait bail pour ça. C'est le mec qui met de la glu, mais genre... Après, il fait 10 parties, du coup, il a plein de points de glu sur le fond. Léo, tu peux écrire... Montez cette vanne sur 9. Je vois à travers. Regarde, t'as vu? Et c'est elle qu'on appelle Carabistouille. Oh putain, je suis trop con. Tu fais quoi? J'ai dit. T'es trop con. En vrai, c'est même pas amusant un peu, genre c'est juste il a donné cette idée. Bon, ça va, connard. Ça? Est-ce qu'il aura la ref? Même vous, est-ce que vous avez la ref? Bah oui. Mais c'est une parodie? Oui, mais on si. L'a fait avec Ellie. Bon, oui. On la mettra. Ça me fait plaisir. Ah bah oui, dans ta voiture là? Non? Mais pourquoi tu donnes des réponses mais que t'es trop... Eh mec, je suis trop con. Toi, pourquoi j'ai fait ça? Vu que la nuit a commencé à tomber, je sais très bien ce que j'ai envie de faire. Mec, t'es trop lent. J'ai donné ces deux idées. Je suis le pire mec. Et vous, que faites-vous en ce week-end? Dites-moi en commentaire quelles activités vous aimez. Quel plat vous aimez quelle boisson vous aimez quel film vous aimez? Est-ce que vous faites des boulots régulièrement? Ou alors si vous, comme moi, vous êtes au chômage depuis une dizaine d'années? Mais c'est vrai? Ah non, c'est un désastre. Si vous aussi vous aimez bien le sirop Elicidine. Oh mec, il a du temps. 3, 2, 1, go. Okay. Est-ce que je suis un homme? Oui. Alors je suis une femme. Hein? Je suis physiquement attirante. Mais ouais, t'es con quoi? Mais t'es con. Ah ouais, je suis un homme. Oui, bah ça marche pareil. Ah ouais, beau gosse. Ouais, si, c'est beau gosse. Est-ce que je suis chevelu? Non. Bah un peu, enfin, il y a des... J'ai les poils sur le caillou. Non, non, non. Alors je suis connu. Je suis aimé des jeunes. Oui. Oui. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en la taille de son pénis. Mais justement non. Regardez là l'enfant là qui a un sexe de 30 cm. Quand on m'accusait de voler des battes de baseball à Décathlon. Hein? Sors là la batte de baseball. Sors là. Ah non, c'est ton pénis. Et si j'avais que la bite? J'ai en plus d'énormes couilles de taureau. Ça fait 2 mois que j'ai une scoliose. Est-ce que ma couleur de peau est blanche? Pas trop. Non. Un peu. Est-ce que je suis un joueur de foot? Non. Est-ce que je suis un joueur de... Top! Wesh, j'ai aucune info. Vas-y, 3, 2, 1, go. Est-ce que je suis un homme? Ouais. J'ai plus de 30 ans. Ouais. J'ai plus de 40 ans. Ouais. Face à la télé? Non. Genre, ma profession, c'est les mains. Comment ça, les mains? Les mains? Comment ça, la profession, c'est les mains? Est-ce que je suis sur YouTube? Non. Je suis une personne connue des Français? Non. J'ai des cheveux? Non. Je suis français? Je suis quelqu'un qu'on connaît personnellement? Oui, dans notre entourage? Ah, plus ou moins. Personnellement. Ah, mais est-ce qu'on va essayer dans notre entourage? Oui. Top 3, 2, 1, go, Ellie. Je suis un homme? Non. Je suis une femme? Oui.
connu, ouais, dans le porno. Oui. Bah mec, mais t'as vu, il se met enculé. Bah non, mais mec, connu. Mais comment ça, pour toi, il y a que les femmes qui sont connues, elles font forcément du porno. Vraiment, hein. Attends, mec, Steve, j'ai vu une lettre. Ah, mais voilà, quel homme. Il y a Kaïfa. Oui, c'est gagné pour moi. À moi. Je suis un homme. Non, mais c'est fou. T'habites en Vendôme? Non. Je suis connu sur les réseaux. Je suis connu sur YouTube. Comment ça va? Je fais des vidéos divertissantes à but humoristique. Non, je fais des vidéos sur YouTube, mais pas humour. Non, tu fais pas de vidéos sur YouTube. Mais putain, mais t'as picolé, toi. Ouais, puis, t'es déjà passé sur YouTube. Et va te faire enculer. Je fais pas de vidéos sur YouTube. Non, mais t'en fais pas, mais t'es déjà passé sur YouTube. Non. Mec, j'ai pas d'indice. Je suis politique. Non. Je suis... bleu. Top. Mec, je suis sorti de ça avec 0-1. Ok, donc j'ai un énorme pénis. Mais tu parlais de ton personnage ou de non. Toi? Non, ça a commencé. Non. Est-ce qu'on connaît cette personne en vrai ou pas? Non. Non. Est-ce qu'on aimerait la voir un jour? Ouais. Est-ce qu'elle est connue dans le monde de la musique? Oui. Ouais, ouais si, un peu. Si, si. C'est sa profession principale? Non. Ouais, c'est sûr. Est-ce que, putain, je sais pas, c'est un truc de... Bah, elle cherche, en fait. Bah, est-ce que c'est déjà arrivé que je casse T'es bien technique. Oh, mais ça va trop mal. Attends, c'était la meilleure blague. Oui, c'est vrai, elle est très drôle. J'ai fait une com. Vas-y, go, il reste 5 secondes. Non, ça va te servir à rien. Est-ce que j'ai déjà couché avec cette personne? Oh, putain, je panique tout. Est-ce que j'ai déjà fait mon bon bébé? J'ai rien, mec. Je suis Vendée. C'est un mec qu'on connaît, nous. Oui, plus de 30 ans. Oui. C'est le daron d'un de nos potes. Non. C'est un plus de 30 ans. C'est Jean-Michel Niou. Non. La proposition, Yvonne. Ouais. Et on, il est au bar, c'est un alcoolique. Est-ce qu'on lui fait un boulot? Non. Attends, c'est un homme? Oui. Si tu retiens l'inverse de les infos. Ah, oui. C'est une femme. Est-ce qu'il a plus de 30 ans? Non, mec, c'est fou. T'as rien. Top, tu es un homme qui fait des films. Oui. Tu fais des films humoristiques ou drames? Depuis combien de temps c'est humoristique? J'ai plus de 50 ans. Non. J'ai moins de 50 ans. J'ai plus de 20 ans. Non. Non. Et je suis français? Non. Ah! Mais si. On a sonné. Tom Holland. Non. Attendez, stop. Il va ressortir de là avec aucun indice. C'est moi? Non. Non. Non, c'est par rapport à la Est-ce qu'il est connu dans le domaine genre de l'audiovisuel? Ouais. Oui. Est-ce qu'il est présent sur YouTube? Oui. Est-ce qu'il est présent sur Twitch? Non. Non. Oh, je sais. Inoxtag. Archi pas. Et est-ce qu'il a plus d'un million d'abonnés? Ouais. Oui. C'est un YouTuber téléfou. Ouais. Hein? Que je suis abonné à sa chaîne? Oui. Est-ce que je parle de lui des fois? Top. 3, 2, 1, go Léo. Mec, je suis totalement perdu mon ventre. C'est un mec qu'on connaît, genre. Il a plus de 30 ans. Est-ce que je lui ai déjà parlé? Oui. Est-ce que vous savez où il habite? Non, mais il est de notre âge. Mais non, mec. Oh la vache. Mec, c'est un mec qu'on connaît qui... Il habite en Vendée? J'ai jamais fait un peu. Oh, c'est fou. C'est Philippe Catherine. Non. Top. Donc moi, je fais des films et j'ai moins de 20 ans. Je suis américain. T'es acteur, tu fais pas des films. Oui, acteur. Oh, je l'ai. Et je joue dans des Marvel. Oui. Oui. Et j'ai moins de 20 ans. Oui. Et je joue dans les Marvel. Je joue le rôle de Spider-Man. Bah, tu es. Je joue le rôle de Spider-Man. Non. Bah, non mais c'est fou de. Oui, mais du coup, non, tu joues pas le rôle. Je suis Spider-Man. Oui. Bah, Tom Holland. Non, non mais non, parce que c'est pas Spider-Man. Ah, Spider-Man. Est-ce que c'est genre. Théodore? Non. Manuel? Lastu? Non. Quoi? Inox? Non. T'es chaud? Vous êtes sûr qu'il a un peu de métis et tout? Ouais. Ah ben, oui. C'est genre il est très, très métis. Est-ce qu'il est balèze? Non. Est-ce qu'il est stock? Non. Il est tracé. Il a des belles lignes. Est-ce que j'ai deux testicules? C'est un prof? Non. Je le vois, on l'a déjà vu. Donc. Il est beau? Vas-y Miguel, 3, 2, 1, go. T'es au babac? Non. J'ai rien qui me vient. Mec, c'est fou. Mec, ça va être... le motif. Non, en France, il doit être dans le top 10 des youtubeurs. Ouais. Quoi? Mais fais-les tous. C'est trop con, mec. Bah ça va, pas la peine de me détruire. Oh, c'est bon, je l'ai. C'est à moi? Vas-y. De toute façon, il va ressortir avec 0 quand même. Mais je sais pas, mec. Je sais pas. Il est très connu? Non, mais c'est dingue. Il est pas connu? Mais non. Bah, pas trop, non. Il traîne où? Enfin, il va dans les bars?
Je sais pas, on me connaît pas trop. Mais pourquoi on lui a déjà parlé? On le voit à un seul endroit. C'est au palace. Oui, au palace. Oui. Ah, c'est Mécus. Non. Il est au milieu du palace. Ouais. Et du coup, Miguel, t'as perdu. Bah non, parce que j'avais l'info avant lui. J'ai perdu. Du coup, c'était Mister V. Ouais, j'allais dire lui, ouais. Vous allez dire la Jérémy. Jamais des ou un petit bac. Ouais, un petit bac. Oh, il faut mettre des trucs drôles. Une situation improbable, genre aussi. Bon, c'est... Ouais, une situation improbable. Après, race de chef. Eh mec. Raison pour submerger la gueule un lundi soir. Ah ouais. Oh mec, bien vu. Tu t'es clairement inspiré de l'application. Okay. Oh, situation compromettante. Non, faut arrêter avec situation. Léna. Cliquez à Léna, situation. D'ailleurs, si tu pouvais éviter de m'envoyer des DM, s'il te plaît, ça m'arrangerait aussi. Une façon de mourir ou un truc comme ça. Ouais, une façon de mourir. Mais une situation de moins de 2 000 € sur ton compte bancaire. Un légume. Ah oui, vas-y, on fait ça. Des légumes, tu sais, tu dis ton. Hein. Non, vas-y, D comme Dimitri. Moi, j'ai des idées, putain, mon gars, c'est un truc de baiser. je finis en prison obligatoirement si je mets ça. Mec, mais tu dis, c'est fou. Ça me fume. Bah, frère, t'as pas un classeur avec le pouce. Ça va, c'est que ça. Non, en fait, c'est soit le cul. Comme ça. Ou même soit... aussi que ça. Ou soit l'alcool. Ah ben, moi aussi. En vrai, je tourne autour de ça principalement. On a vu tous les trucs. Ultra long ce que t'as écrit, tout. Situation improbable, Ellie, la première. Ouais, mais j'ai envie de dormir avec Bruno du Palace. Du coup, à côté, c'est trop nul. Mec, moi j'ai mis distiller un peu avec de l'eau de chaud. Oh, venez, en plus, on se force à parier. Oui, mais ça veut rien dire. Mais oui, ça veut rien dire. Demander le divorce dans une église. Je sais pas comprendre, mais vas-y, moi ça m'a fait rire pour l'écouter. Je sais, ça va être éclaté, on va rire. T'es prêt? Danser nu. En vrai, c'est un peu un problème. J'avais rien du tout. Mais ça me fait rire surtout. Je voyais que des trucs par rapport au cul, genre à poil, c'est tout. Mec, mais dans ton cerveau, il y a une bite qui tape. Ça, il a pas des maracas, il a des capes. Raison pour submerger la gueule, j'ai mis distancer son plaisir personnel avec le boulot. Moi, j'ai mis dormir. Moi, j'ai mis dimanche après le foot. Moi, j'ai mis dormir dehors en hiver pour se réchauffer. Oh. Façon de mourir. J'ai mis donner son rein en sortie de boîte sans son consentement. Démonter à l'opinel. Enfin, je sens démonter à l'opinel. J'avais pris l'inspi et mis destruction à l'âme. Oh, mais c'est affreux. J'ai mis donner un coup de pelle à 4 taureaux en train de chier. À qui? Oh, mec, elle m'a tué, c'est de la putain. Ouais. Tout de suite, un extrait. Non. Les légumes, personne. J'ai mis don't speak English. C'est pas si drôle que ça. Un objet un pourrait dans sa chambre. Enfin, genre un objet dans sa chambre. Top. C'était. C'était. Le mec avant, t'en as jamais allumé. C'est un T, ça peut être un T. Un T. Laissez au montage le moment où on écrit. Ouais. C'est qui a... C'est à moi. Alors, situation improbable. Terminer le fiac de sa sœur pour absolument 0 €. Attends, mais ma soeur, il y a des vidéos. C'est. Et j'en date surtout. C'est que du divertissement, ne croyez pas à tout ce que je dis. Moi, j'ai mis une testicule coincée entre la porte. C'est vraiment hyper improbable. Moi, j'ai mis trifouiller le cul de son pote. Le cul de son quoi? De son pote. Moi, j'ai juste mis terminer de faire caca debout. C'est trop bizarre. J'ai supprimé Dogs comme ça. Là. Raison pour se merger, Léo. Non, j'ai pas. Il veut tromper sa meuf. Je sais pas, j'avais rien. Il y a des choses à dire. Non. Une raison pour se muger, c'est de terminer la semaine en étant heureux. Oh mec, j'ai oublié. Moi j'ai mis tout oublié. Tout oublié. Ouais. Vas-y, façon de mourir. Façon de die, j'ai mis. C'est pas à toi. Ok. Moi j'ai mis tronçonneuse dans la gueule. T'avais pas tant de trucs. Titiller les glandes sudorales d'un Saint Bernard sans muselière. Moi j'ai mis tomber des bombes. Mais quoi? Des World Trade, des World. Ouais, d'un immeuble quoi. Je pourrais pas la mettre, celle-là, s'il te plaît. Moi j'ai mis tamponneuse pris en pleine gueule. Tamponneuse pris en pleine gueule. Attends, on dit au revoir. Merci d'avoir regardé ce petit contenu, mesdames et messieurs, on doit y aller car Léo a des affaires familiales à régler de manière permanente. Je dois me rapprocher de mes parents. Je termine sur ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner non. Et à aimer la vidéo et à commenter, partager. Merci aux copains d'être venus, d'avoir participé à cette petite vidéo. Je vous retrouve au palace. Dédicace à Corentin qui est absolument en train de faire un gros boulot. Bisous les copains, salut. Au revoir. Ce sera pas mieux en fait. Non.
Mec, par contre, vous avez pas rigolé, la tête indulgente. Mais c'est trop drôle. Et après, en légumes, j'ai mis tarte au navet. Ouais, j'avais. Mais il est con. Il avait une tarte au navet en légumes. Et bah c'est un plat.